doutait de ses capacités, de sa faculté à réussir. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Mais crois-tu qu'avoir peur te permettra de réussir? Crois-tu être le seul à douter? Crois-tu que les personnes à succès ne doutent jamais? Écoute bien ce que je vais dire. Tout le monde doute. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément celles qui ont les meilleures idées. Les personnes qui réussissent sont celles qui ont le courage d'aller jusqu'au bout de leurs rêves, jusqu'au bout de leurs projets, sans rien lâcher, malgré les doutes. Sur le chemin du succès et de la réussite, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés et de problèmes à surmonter. Si au moindre obstacle, tu laisses le doute t'envahir, tu n'arriveras à rien. Alors dis-moi, dans quel camp te trouves-tu? Dans le camp de ceux qui doutent et qui ne font rien à cause de leurs pensées et croyances limitantes? Qui croient aux paroles de ceux qui te disent que c'est impossible et que tu n'y arriveras jamais? Ou alors, fais-tu partie du camp de ceux qui souhaitent réussir, coûte que coûte, qui n'abandonnent pas tant qu'ils n'ont pas atteint le résultat souhaité, qui donnent tout leur temps et leur énergie dans le seul et unique but de réaliser leurs rêves? Peu importe ce que tu décides d'être et de devenir, pour moi, tu es extraordinaire. Alors tu mérites d'avoir une vie extraordinaire. Mais n'oublie jamais, crois en toi, crois en tes rêves. Montre. Attends, j'ai mon tour. J'en ai eu qu'un parce que l'autre, j'ai pas eu le temps. Ah. Attends, j'en ai un troisième au bout. Eh, ça c'est pour vous les abonnés. Ah bah non, pas celui-là, peut-être celui-là là-bas, le Mercedes. Il était petit celui-là, on va se dire. Go! Deux là-bas. Dans les 1300. Regardons, c'est les GP, c'est vraiment les meilleurs chauffeurs. Mais attends, il est tout dur, sauf que j'ai l'auto. Eh ben non, confirmation, c'est pas les meilleurs chauffeurs. Désolé les amis si ça court. Et voilà, on se prend des vents. C'est pour vous. Rouge,
Attention les amis, Scania. Ah bah non. J'espère que les amis ça vous plaît, les klaxons de camion. Des fois on trouve des merveilles. Regardons celui-là. Et bah non, les huit derrière peut-être. Oh, des fois on en trouve des beaux comme vous pouvez le voir au début de la vidéo. Et bah non, il y en a un qui arrive de l'autre côté par contre. L'univers de gaming, on essaye celui-là. Il y en a un qui arrive là-bas, je sais pas si vous le voyez. C'est un peu flou. En fait, on est sur l'autoroute A6. Ouais, A6. Donc l'autoroute du soleil. On est vers mon ancien lycée. Voilà, on est sur à côté d'un village. Arrête, c'est pour ça qu'il klaxonne pas. Pedro ! Ah, on a un magnifique Volvo. Je vous dis, sûrement là, peut-être, je sais pas s'il aura des bons trucs. Ah, je sais pas si vous l'avez vu, mais il fait fini là. Ouais, c'est ça. Ouais, allez, on se retrouve tout de suite. Mini coupure le temps que. Il aura un camion. Re, les amis. Là, alors là, c'est pas un camion, c'est la P2R. On fait signe. Ils nous ont fait un vent. Oh bah. Et comme par hasard, la suite, c'est un camion. De là, de l'autre côté. Alors là les amis c'est le top. Alors je pense que l'Asgard, mon monteur, va faire un... Alors l'Asgard, si tu m'entends, fais un top des klaxons s'il te plaît. Un petit top. Alors par contre l'Asgard, le klaxon du camion du paquebot, tu le mets en top 1 celui-là, tu le mets en top 1, sur réfléchir, tu le mets en top 1. T'as vu l'autre, il a sorti sa main, je savais pas s'il me faisait signe ou s'il me faisait un fuck. Non, t'as vu le klaxon quand même de l'autre. Ah le non, paquebot. Je me concentrais sur le fuck qu'il me faisait le mec. Oh mais t'as pas vu le camion qui est arrivé là, le paquebot que c'était. Ah il me concentrait sur son fuck. Oh t'as 4 camions là. Ouais là-bas t'en as un. Oh deux autres qui se doublent là-bas au bout. Oh. Alors on va rester ici là. Ah ouais les amis. Allez ouais. L'Asgard tu mets en top 2 celui-là. Allez oh. Faut qu'ils ont klaxonné. Quand ils ont klaxonné, je fais ça pour leur dire qu'il y a ce monde. Oh, t'en as encore deux, hein. C'est l'autoroute, mec, hein. Alors là, les amis, si vous voulez avoir le même spot, c'est sur un pont bleu. Voilà, on est là. Voilà, je vous dirai comment on est venu après. Après les deux camions. Après les trois camions. La voiture, elle a rien compris, la voiture. Attends. Toi, ta gueule. C'est qui qui a klaxonné? C'est la voiture. Oh, là, oh putain, j'ai d'autres camions. Vas-y, oh non, celui-là. Vas-y, toi, fais là-bas. Attends, j'attaque le mec qui passe. Non. Vas-y, vite. Oh, les camions sont passés. Ah, les amis, nous avons un magnifique Volvo. Ah oui, il a de l'eau fort. Hein. Alors là, les amis, c'est un klaxon de ces deux-là. C'est les klaxons de deux chevaux. Alors là, les amis, on a trois camions. Le dernier qui a klaxonné, c'est un klaxon de scooter. Top 2 celui-là en fait, Lasgar, top 2. Hey, l'autre d'avant, c'est un klaxon de scooter. La moto, le signe spécial. Imagine, là il y a les flics. Alors les amis, alors c'est sur le pont bleu, à côté de Venoy, voilà. Donc c'est un pont bleu, je vous montrerai, Lasgar va vous montrer une image sur la carte. Donc voilà, alors juste avant de quitter sur cette vidéo, on vous laisse avec quelques klaxons de camions
de plus. Et après, la fin de la vidéo, la vraie fin, ça sera un petit bêtisier. Un petit bêtisier. Eh ben non, pas encore. Allez les amis, je vous laisse avec le klaxon de camion. Amis, voilà la partie bonus. En fait, on est vu avec des scooters. Univers, peux-tu expliquer le tien, s'il te plaît? C'est quoi comme marque? Bonne question. C'est un Peugeot. Et moi, c'est un TNT Booston, que vous voyez ceci. Hein, voilà. Après, à signaler que le scooter que j'ai actuellement, c'est pas mon scooter d'origine. Écarte-toi parce que sinon j'ai le panneau. Allez, les derniers klaxons pour le partie bonus. Il est un seul. Allez, c'était Metal, c'était Univers du Gaming, c'était Johnny, c'était English, c'était Metal, et à bientôt, sur la route. Bye bye.